Bonjour à tous. Le 21 novembre 1783, François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes sont les premiers à s'élever au-dessus du sol à bord d'une montgolfière. Heureux de cette réussite, les frères montgolfiers continuèrent leurs expériences les années qui suivirent. Aujourd'hui, du côté d'Onzain, dans le Loir-et-Cher, Bruno Paré perpétue cette tradition. Il nous invite à partager sa passion et à monter à bord de l'un de ses ballons. Nous avons des collets de riz sur Loire avec un vent qui vient de l'ouest et nous allons essayer, je dis bien essayer, hein, c'est le charme du ballon aussi, de retourner vers Chaumont-sur-Loire. La première fois que j'ai vu une montgolfière, c'était au-dessus de l'autoroute. Un matin, ça devait être à côté de la ville de Chartres, dans la brume. Je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Il était très tôt, il y avait peu de circulation et j'étais un peu comme un gosse, je les ai regardés. Deux mois après, c'était la date de mon anniversaire et le jour de mon anniversaire, elle m'a offert un vol en ballon. J'ai fait mon baptême au mois de mai et j'ai pris ma première leçon de ballon au mois de juillet et à Noël, j'avais mon brevet. En 92, dans les Alpes, j'ai décollé de Flaine, qui est une station de sport d'hiver en France, et je me suis posé à Ost, en Italie. Si vous tirez un trait sur la carte entre les deux, dessous, il y a une petite montagne qui s'appelle le Mont Blanc, et je suis passé juste au-dessus. Voilà. Ça, c'est mon plus beau souvenir. Alors, pour devenir pilote de montgolfière, c'est pas très compliqué. Au bout de 16 heures de vol, on est capable, normalement, de piloter un ballon dans des conditions confortables, avec peu de vent, et un ballon de petite taille. Si le ballon est plus important, puisqu'aujourd'hui, vous avez des ballons plus gros, de 14, de 20 places, ça vous demande au moins 500 heures de vol pour être efficace pour piloter ce ballon. Je suis instructeur depuis 1994 et j'ai dû former une quinzaine d'élèves. La plus belle récompense, c'est justement quand vous avez quelqu'un qui, un jour, va voler de ses propres ailes. C'est vraiment le cas de le dire. C'est une immense joie, quoi. Ça fait très plaisir. Et on va surtout pouvoir raconter quel merveilleux moment on a passé ici. Si la montgolfière garde sa place dans l'histoire du vol, elle reste avant tout une belle aventure humaine. Alors si comme moi vous passez par Onzain, Bruno et son équipe vous permettront de vivre cette échappée belle dans les airs au gré du vent. Une aventure merveilleuse qui séduit aussi bien les grands que les petits. Salut!